Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Nous sommes ici aujourd'hui pour un nouveau live et voilà, bon, bah, comme vous pouvez le voir, évidemment, effectivement, l'arrière-plan a tendance à changer. Voilà, il change un petit peu. Là, on teste aussi au passage le Nvidia Broadcast qui permet justement de jouer un petit peu avec, avec la caméra. Donc là, je peux jouer avec, avec le floutage d'arrière-plan. Bon, voilà, on va le mettre comme ça, que ça soit pas trop, trop agressif non plus. Aujourd'hui, j'espère, je l'espère, bien évidemment, la découverte de la mise à jour Mario. La mise à jour Mario sur Animal Crossing. Donc voilà, on va faire un petit live chill. On va se mettre bien, on va se poser tranquille. Et on va faire un petit peu de pêche et papotage. Voilà, un petit peu de pêche, du papotage, tout ça. On se met bien, tranquille, tranquille et mille. Surtout en plus, voilà, on a le comment ça s'appelle ? On a le Nintendo Online. Donc du coup, je vais pouvoir et vous pourrez venir sur Jean Pépito et je pourrai et aussi au passage découvrir vos îles. Voilà, c'est cool, c'est sympatox. On va faire aussi, on va tester les rêves, parce que je n'ai jamais testé les rêves. On va pouvoir aussi tester les rêves. Bonjour, lundi 1er mars, 18h14 sur notre belle Jean Pépito. Alors, les annonces du jour. Oh putain, la visite au camping! La visite au camping! On va dégager Angus! Oui! On va essayer de le dégager. Putain, on va tout donner pour gagner ce nouvel habitant et dégager Angus. Ah oh, putain, Angus, là, il faut le dégager. Là. Je ne veux plus le voir. Je ne veux clairement plus le voir, ce machin, là. Ce gros étron, là, je ne veux plus le voir, lui. Ah, il me saoule la gueule. Ah, il me saoule. Ah, yes. Ah, Eustache, juste pour dire que je suis bien content de t'avoir rencontré. Je ne te le dis pas en personne parce que les rougeurs me vont mal au teint. Oh, c'est mignon, c'est trop beau, c'est trop beau! Allô? Je vais le jeter, je m'en bats les couilles. Bank Nook, ouais, 40 clochettes. C'est toujours ça. Hein, mais... Ils te font gagner des points même s'ils ont une série différente. Ok, ouais, bon. Bon, allez, on va nettoyer un petit peu l'île aussi, au passage. Hein. On va faire un petit nettoyage. Allez, let's go. La petite pelle. On va se positionner. Tac. Voilà, on se met en position. J'ai dit en position. Voilà, merci. Mais... Putain, le Joy-Con Drift, hein. Évidemment. Hein. Allez! Appuie! Ah, mais qu'est-ce qu'il a à se reconnecter, ce con-là, de Joy-Con? On va le mettre aussi derrière. Voilà, on va faire le trou derrière, là, comme ça, on est posé. Bon, bah, ok. Tout ça pour 3 pièces, hein. Bon, seulement 3 petites piécettes de rien du tout. On s'en fout. On va faire comme ça. On le fait à l'ancienne. Ah. Trop tard. On n'a pas été assez rapide pour récupérer les petites pierres. On reste trop tard. C'est pas grave, hein. Ah merde, j'ai cassé le combo. J'ai cassé la chaîne, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, voilà, on cherche pas spécialement des ressources. Oh là, il y a plein de citrouilles. Ah là, peut-être que c'est un bambou. Ah non, c'est un fossile.
Voilà, tiens, tu as déterré un fossile. Oh, des fossiles, des fossiles. OMG, c'est des fossiles. Ah, mais nique ta sœur. Putain de Joy-Con, putain! Ah, c'est pas vrai ça, Joy-Con Rift de merde là. Putain, le pire dans tout ça, c'est qu'on paye, on paye quand même les Joy-Con une couille plus 1000. Ils sont même pas fichus de régler ce problème de drift, sans déconner, ils sont même pas fichus de régler ce petit problème. C'est fou, c'est fou. C'est fou, j'aimerais acheter la paire de Joy-Con Zelda. J'aimerais, franchement, j'aimerais, hein, mais je suis un petit peu. Je suis un petit peu réticent, hein, si y a une Joy-Con Drift, enfin, s'il y a encore du Drift, ça va quoi. Parce que bon, si tu passes ta vie à agresser ces cons de Joy-Con. Comment te dire, j'espère que la petite bouteille de WD-40 est fournie avec, hein, parce que là c'est bon quoi. Ça va, pas déconner là. Mais putain de ta mère la pute, putain! Ah oh, mais nique-toi, 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 c'est pas ça que je veux. Là, il y a un putain de fossile là qui est apparu là, fait qui est apparu, qui est là, qui est bien placé. Putain, c'est pas vrai ça, voilà. Oh là 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 là, mais c'est l'enfer du cul. Oh merde, putain, mais double enfer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, putain? Je m'en branle. Oh Seigneur. Bon, en tout cas c'est cool, ça a bien repoussé. Là, les arbres ont bien repoussé. On se fait un arbre à clochette ou pas? Salut Yann. Ah, qu'est-ce que tu vas m'envoyer de beau? Non, on va pas faire d'arbre à clochette, on s'en fout. Comme tu as pu le voir, j'ai mis toutes les VOD sur la chaîne. Et je m'applique à mettre toutes les VOD sur la chaîne d'ailleurs. Comme ça, au moins elles y sont. Et comme ça, vous pouvez rattraper le temps perdu. Si ça, c'est pas beau. La grande classe. Franchement, la grande classe. Non, ça, ils me foutent pas la gueule, ça va. MP sur Twitch. Ok. Ah, je vais checker ça. Ah, putain, j'ai des chutes de framerate. Putain, j'ai des chutes de frame. Je vais checker via le téléphone, ce sera plus simple. Sinon. Lui, c'est Lambert, mon voisin. Et le hasard veut qu'on bosse dans la même boîte. Alors, Lambert? Été comme hiver, prends sa voiture pour aller au boulot. Alors que moi, tous les matins, et quelle que soit la météo, je prends mon vélo pour aller bosser. Alors évidemment, c'est mieux de faire de l'exercice que de s'asseoir dans une bagnole comme l'envers. Et forcément, par rapport à une voiture, le vélo, c'est écolo. Mais ce que je kiffe le plus, c'est que je vais bien plus vite que l'envers dans sa bagnole. Et qu'en partant après l'envers, j'arrive avant l'envers. Et puis, 10 minutes de vélo pour aller au boulot, franchement, c'est pas la mort, surtout si. Ha 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 ha.
C'est un vrai spot? Il n'est pas encore arrivé, le cycliste. Pas encore vu ce matin. Il a encore dû crever. Oh putain. Oh putain. Ah si c'est un vrai spot. Ah si c'est un vrai spot de pub, c'est génial. Si c'est un vrai spot de pub, oh, mon dieu, c'est génial. C'est dégueulasse, mais c'est génial. C'est génial, parce que franchement, ouais, c'est suisse, ouais, c'est suisse. Mais c'est vrai, putain, c'est vrai, ça rend fou, c'est cycliste, franchement, c'est cycliste, ils rendent fou. Ils roulent comme des cons, mais ils roulent vraiment comme des cons. Que ce soit, que tu sois à pied ou en bagnole, les cyclistes roulent comme des cons, c'est incroyable. Incroyable. Donc ouais, franchement, putain, non, si c'est un vrai spot publicitaire, génial. Franchement, génial. Ah, génial, il nous en faut un en France, mais bon, en France, voilà, on est trop frileux, on est trop cucu pour ce genre de conneries. Mais ça serait tellement excellent. Parce que c'est bien, on sensibilise justement sur la pratique du vélo. Ouais, d'accord, la pratique du vélo, c'est une chose. Et ah oui, non, mais les mecs en trottinette, ça c'est le pire. Salut Yunky. voilà, bah allez-y, rajoutez-en. Mais c'est pas eux les pires, c'est les trottinettes. Oui, bah ça va, ça va. Ça va, non, je dis rien. Je dirais parce que oui, ça, j'ai eu un accident de trottinette et encore, c'était même pas ma faute, c'était le mec qui n'avait pas cédé le passage. Le mec ne s'était absolument pas arrêté au cédé le passage, il ne m'a pas vu. J'étais lancé moi sur ma voie. J'étais lancé sur ma voie, le mec ne s'arrête pas au cédé le passage. Alors le temps de le voir. Ouais, vous avez pensé la même chose. Le mec ne m'avait pas vu, il m'avait pas regardé, il ne s'est pas arrêté au cédé le passage. Salut SW33. Et du coup, ouais, c'était trop tard, clairement, c'était trop tard, moi, le temps de freiner, voilà, pour éviter la collision, moi, j'ai préféré sauter, donc comme ça, au moins, c'est réglé, et au final, je suis bien emmerdé, voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave, mais c'est clair que les pires, il y a pire. Bon, il y a pire que les trottinettes et les vélos, il y a ces persos dégueulasses, parce que franchement, putain, mais ce perso est dégueulasse. Ah merde! Eh bien, je vais en direct, je m'appelle Elise, c'est gentil de passer me voir. Putain, mais c'est quoi ce perso dégueulasse? Je suis complètement folle de cette île, tu sais, de l'air pur, des arbres vigoureux, de l'eau claire. Oui, j'étais en trottinette, oui. Oui, Yann, j'étais en trottinette. Allez, un petit jeu. Mon costume est fait gonflette, mais j'en ai un déjà, mais bon, allez, vas-y. Avant que nous commencions, veux-tu que je t'explique les règles? Non, ça ira. Alors, il y a juste le bot qui m'a alerté en disant « Hop, 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 attention, il y a un propos !» Parce que le mot « fuckhead », voilà, le mood bot ne l'apprécie pas trop. Mais c'est pas grave, c'est autorisé, je l'autorise. Alors. Est-ce que le symbole est rouge ou noir? Moi je dirais qu'il est rouge, comme ses lunettes. Et voilà. Génial, génial! Costume effet gonflette. Qui pue qui pète. Bon allez, si on peut dégager Angus, ça serait génial. Pas de camping sans feu de camp. Se raconter des histoires, blablabla. Bla bla, un classique. Il a même merdé grave, ouais j'avoue. Joseph, je suis au-dessus du bot. C'est vrai. C'est vrai, mais la commu est au-dessus de tout, la commu est au-dessus de tout, c'est au-dessus des bottes, au-dessus de tout. C'est voilà, vous êtes là, vous êtes des pépites, vous êtes des pépites.
Du coup, tu as beaucoup de cheveux dans le jeu. Mais en fait, c'est une perruque. C'est une perruque. C'est une perruque parce que j'arrivais pas à trouver la de coiffure. Il y avait même pas de coiffure chauve en fait. Mais j'étais un peu déçu. Bon allez, tu veux pas rester, voilà, que gna. Voilà, petit jeu. Non, mais je veux pas gagner de costume. Oh, un costume de bélier, pourquoi pas. Ah, le bâtard. Bah oui, mais attention, attention que je ne sorte pas la perruque de Dr. Love. Attention que je ne sorte pas la perruque de Dr. Love. Ah putain, j'aime pas ce jeu. Merde, faut trouver le symbole. Merde. Oh merde, les symboles. J'ai tiré une carte. Quel symbole serait caché? Moi je dirais je dirais pique. Même moi je l'aurais pas dit. Je dirais pique. Cœur, carreau, pique ou trèfle? Allez, je vous laisse choisir. Je voulais choisir. Bon, comme il y a un temps de latence, je voulais choisir. Allez, cœur, carreau, pique ou trèfle. Carreau. On prend carreau. Allez, on va prendre carreau. Si c'est pas ça, on va faire un petit jeu. Si c'est pas ça, je banne. Je banne. Hashtag gros bâtard. Hashtag gros bâtard. Le gros bâtard. Allez, on va lancer carreau. On va voir si c'est ça. Ah putain, c'était pique. Ah là là. Merde, ben voilà, on n'aura pas le super costume de bélier. Ta maison, c'est une chicha partie. Non, enfin. Ah putain, ce Joy-Con drift. Bah en fait non, parce qu'en fait le. Enfin oui et non. Oui et non, parce qu'en fait c'est le floutage d'arrière-plan. Voilà, c'est juste le floutage d'arrière-plan. Et voilà, le petit halo lumineux qui est ici, c'est la réverbération de notre lumière. Parce que j'ai mis un projecteur. Ah, l'enfoiré, c'est ce que je t'avais dit. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, le chat ne ment jamais. Le chat ne ment jamais. Bon là on va essayer de pas se louper si on peut la. Si on peut lui. Si elle peut nous lancer le mini-jeu. Enfin le mini-jeu, le petit jeu de devinette pour qu'elle reste sur l'île. Ça serait pas mal. Bon allez, putain, mais elle veut pas rester. Enfin, elle est moche, elle est dégueulasse, elle est super dégueulasse. Mais si on peut dégager Angus avec sa tête de cul, ah, ce serait parfait. Si on peut dégager Angus l'autre Gus, ce serait parfait. Angus le Gugus. Décidément, le bot est on fire. Hein. Ah, le bot est on fire. Hein. Putain, le ta gueule, il a pas aimé.
Ah, je vais lui dire de se calmer. Je vais le programmer pour qu'il soit plus light. Ah, un petit exercice de style. Allez, on va faire un style complètement dégueulasse. Allez, oui, pourquoi pas. Une tenue effrayante. Ah, qui fiche la frousse. Que tu porterais pour Halloween. Un costume de vampire. Allez, le total look. Let's go, le total look. On va récupérer les petits bouts de bois. Et on fait un petit coucou à Chirac. Alors, voilà. Les petits. Et le bot, je vais te ken. Salut mon boucan, comment tu vas? Le bot, je vais le ken. je t'en prie. Écoute, en 2v2. Enfin, 1v1, 1v1 ou 2v2. Et je vous sors l'octogone et allez, let's go. Let's go le fight. Ce sera Fight Club. On va sortir un octogone et comme ça on diffusera même en live. Ce sera génial. Oh, ce serait génial. Ouais, ça va, impeccable. Impeccable. On chill sur Animal Crossing. Costume effet gonflette, on l'a déjà, c'est un peu naze. Merde, non, mais je veux pas le placer. Ah, il est beau celui-là. Faut garder du secret un peu. c'est vrai. Alors, entreposer ça, on va entreposer. Message en bouteille. Yo, futur fan de bricolage. Oh putain, c'est Ben. Oh putain, c'est Ben qui l'a envoyé. Oh, ça va être génial. Si Wisebot n'est pas une meuf, je ken pas. La même Assassin's Creed. ah Animal Crossing New Horizon. Ah bah oui. Tambour à fente bambou. Ah, je connais, c'est pas celui-là. On va voir si la mise à jour est là. On va voir si les objets Mario sont là. Normalement, ça devrait être là. Enfin, j'espère. Mais sinon, il n'y a vraiment pas d'intérêt de relancer le jeu s'il n'y a pas la mise à jour Mario. Quoi. Là... Ah, c'est pour se faire chier. Si le Wisebot n'est pas une meuf, je ken pas. Ah. C'est compliqué. Oh putain, mais il me saoule Hubert, sans déconner. Mais il me saoule. Alors voilà la super gueule. Si je mets pas la perruque. Alors, il faut un total look qui fait peur. Alors, qui fait peur dégueulasse. On va mettre un manteau de paille, ça fait très peur. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Une jupe en jean, voilà, ça fait très peur aussi. Ça fait très peur. Un pote est sur... Ah putain, Assassin's Creed. Pourquoi je lis Assassin's Creed à chaque fois? Animal Crossing, il fait un peu de stream si ça t'intéresse. Ah bah ouais, pourquoi pas. Tenue d'héroïne, il est où le vampire là? On va mettre une épingle luxueuse. Non, je peux pas mettre le serre-tête de lapin, si on va mettre serre-tête de lapin. Le monocle, bien dégueulasse. Non, on peut pas. On va mettre la moustache, on va mettre la super moustache. Les grosses paluches. Et le sac en bande. Et un sac à. Waouh, un sac à dos de maman. Waouh, la classe. Oh, ça, c'est un total look qui fait peur. Ça, c'est total look qui fait peur. Ça fait peur, ma chérie. Ça fait peur, ma chérie. Allez, on va aussi changer la coiffure. Ouais, on va changer de tête. On va changer la tête. Alors, la coiffure. Ah, il n'y a pas la coiffure chauve. C'est nul. C'est nul, il faut faire ça et il faut mettre la couleur de peau. Et encore, ça marche pas. Oh, c'est nul.
T'es nul, ils sont racistes les chauves, donc du coup je mets cette coiffure qui est complètement laide. Enfin, je la trouve laide. Alors, on va y mettre des cheveux rouges, ça classe. Voilà, total look qui fait peur, ça ma chérie, j'adore, j'adore. Là, si c'est pas du total look, alors là je sais pas, je peux rien faire pour elle. Vu que ta cam est sur le L personnage, c'est pareil pour nous. Vu que ta cam est sur le personnage, c'est pareil pour nous. Ah, c'était un peu du Jean-Michel Pallaref. J'ai mis du temps à comprendre. Ah oui, vas-y. Allez, jette un œil à ma tenue. Je dirais pas à proprement parler que c'est une tenue effrayante, et ta sœur. Et ta sœur, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse, ma tenue, elle fait super peur. Ah, et elle, non? Oh, non, mais oh, c'est toi qui as une faute de goût, ma chérie, là. Ça va pas, hein? Ça va pas du tout, ça. Ah non, ça va pas du tout, ma chérie. Ça va pas du tout, hein? Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Hein? Et elle, non? Ouais, pas con. Pas effrayant, pas effrayant. Je t'en foutrais, moi, des pas effrayants, non, mais oh. N'importe quoi. C'est super effrayant ma tenue, elle fait super peur. On dirait que j'ai un bonnet, on dirait Francis Lalanne, sans déconner. Mais si je rage! Je suis dégoûté! Ah, je suis deg! J'ai les ailes qui frémissent, tant mieux. Ah, je suis dégoûté! Oh, je me suis appliqué! C'est ouf, tu rages autant sur Animal Crossing que Mario Kart! Et encore, je sais pas si tu as regardé la VOD de Smash Bros. Ah, c'est pire. Alors, tu as qui comme villageois? Alors, je vais te les montrer. Je me rappelle plus le nom. J'ai Angus. Alors, j'ai Angus. Lui, il me casse les couilles. J'ai envie de le dégager. Il me saoule. Il me parle mal. Il me parle mal. Il est tout le temps en train de râler. Il me saoule. Donc, il n'y a qu'une personne qui peut râler ici. C'est moi. Donc, là, il me saoule. Désolé, même Porc-Épic qui parle, ça fait peur ou t'es foncedé? Ouais, bon. On est foncedé, on va dire. On va dire qu'on est foncedé. Ah, merde! Non, c'est pas ça. Mais. J'ai appuyé sur Z. Ah, c'est. Je me suis trompé. J'ai du stuff Mario si tu veux à l'occasion. Ah, bah déjà, je vais voir. Je vais voir un petit peu. Déjà, je vais voir en acheter. Et après, pourquoi pas? Mais je voulais en acheter. J'ai Angus, j'ai comment ça s'appelle? J'ai Ramsès. Ramsès, c'est un chien momie. Qui d'autre encore? J'ai Marvin le poulpe. Qui d'autre? Je me rappelle plus, j'ai. Putain, le lapin, je me rappelle plus comment il s'appelle. Ouais, non, il n'y a pas le truc là. Ah oui. Putain, yes. Oh, génial. Oh, je vais casser le pelle. Oh putain. Oh là 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 là. Oui. Oh là 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 là, tout ce qu'il y a. Oh, tout ce qu'il y a. OMG, tout ce qu'il y a. Déjà ça. Je veux. Bloc, je veux. Je veux aussi. J'en veux encore. J'en veux 3. Un bloc, ouais, j'en veux. Allez. Ah, oh, 5 articles, mais putain, mais t'es sérieux là? Il faut que je trèfle, putain.
Faut que je gruge. Faut que j'avance le temps encore, putain. Oh, l'arnaque. Oh, fais chier. En fait, j'ai Marvin. Marvin le poulpe. Qui d'autre? Yes, bah écoute, merci d'être passé, Yann. A plus. J'ai. Ah, mais tu as du flou, Znook. J'ai Bajou. Bajou, une grenouille. Une grenouille, je trouve dégueulasse. Je trouve dégueulasse aussi. Enfin, je trouve beaucoup dégueulasse. Je vais te casser le cul. Ah, voilà, le petit lapin. Gabi, voilà. J'ai Gabi. Oh, je bug, c'est horrible. Ouais, non, mais c'est pas toi, ça vient de chez moi. Ça vient de chez moi, c'est les réglages, là, putain, c'est les réglages, je vais les descendre, je vais descendre les réglages, là, c'est trop de bugs. Mais il me fait chier, Streamlabs, sans déconner, il me fait super chier. Il me fait toujours de la merde. Il me fait toujours de la merde. Avec les réglages, il me fait de la grosse merde. Il me fait de la grosse merde. Je mets optimisation automatique en fonction parce que justement, je n'ai pas la fibre. Donc, je suis obligé de passer par une box 4G. Donc, du coup, optimisation automatique. Alors, et d'un coup, il va me pousser des réglages de malade. Et comme c'est du 4G, c'est complètement aléatoire. Et, du coup, ça va créer des bugs. Ça va créer des gros bugs et c'est super chiant. C'est super chiant. En plus, ouais, j'ai pas fait gaffe. Il me l'a poussé à 60 fps alors qu'il faudrait descendre à 30. Et je peux pas modifier les réglages en plein stream. Formidable. Franchement, mais un outil extraordinaire. Streamlabs, formidable. Magnifique. Franchement, magnifique. Alors, j'ai l'autruche aussi, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Faustine, voilà. Parce que je bug, donc j'ai raté un épisode. L'arnaque de quoi? Non, mais l'arnaque sur le... Je sais pas si tu parles du stream au niveau du bug, hein. J'ai encore une alerte, là, tu vois. Drop frame détecté. Non, mais je veux bien, mais... Putain, mais il est formidable, Streamlabs. Il est formidable, cet outil. Il t'alerte. Oh, tu sais, vous avez un problème sur votre stream. Il faudrait ouvrir les paramètres. On ouvre les paramètres, on ne peut rien toucher. Parce qu'on est en stream, parce qu'on live. C'est formidable. Donc, s'il vous plaît, Streamlabs, arrêtez de nous casser les couilles. Arrêtez vraiment de nous casser les couilles. Mais réellement, arrêtez de nous casser les couilles avec ça, en sachant qu'on ne peut rien toucher. Je ne peux rien toucher. Ah, c'est génial. Là, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire pour pallier à ça. Je ne sais pas. Voilà. Retard du stream. Ouais. Donc, enable. On va faire ça. Voilà. On va changer ce petit réglage-là. On va voir si ça marche éventuellement. Putain, par contre, la loose, il faut attendre demain pour récupérer les objets. Putain, je veux pas faire du time travel. Je veux pas tricher. Alors là, petite image à Yankee. Voilà. Voilà. Le mec est absolument partout. Hein. Le mec est absolument partout. Oh là là, la classe.
La classe, hein. Au passage, n'hésitez pas à découvrir ses titres sur Spotify et regarder les clips sur YouTube. Voilà, le stream absolument pas copyrighté. On ne fait pas de pub. Pas du tout, on ne fait pas de pub. Absolument pas. Est-ce qu'avec les MyNook, ça marche? Est-ce qu'il y a des objets avec des MyNook? Est-ce qu'on a les objets avec les MyNook? Est-ce qu'on a des objets Mario? Putain, il me drop encore des frames, putain, mais... C'est abusé. MyNook. Non. Même pas. Même pas. Je suis un peu déçu. Putain, mais ce système de limiter à 5 objets par jour, quoi, sérieux, t'es un objet de time travel. Ah, je veux pas time travel. En plus de ça, on risque de perdre la future habitante. Alors voilà Bajou qui est complètement dégueulasse. Bajou, la grenouille dégueulasse. J'aimerais bien voir Angus. Le perso qu'on essaie de jarter. Oh là là, putain, mais Streamlabs, sans déconner. L'île est une mauvaise connexion réseau. Vérifiez, changez de serveur ingest. Oui, réduisez votre vitesse de transmission. Ouais, mais transmission, elle est où la vitesse de transmission? Ils sont marrants. Réduisez votre vitesse de transmission. Moi, je veux bien, mais j'ai pas accès en live. C'est formidable. Ils sont géniaux. Franchement, ils sont géniaux. Les mecs, code avec le cul. Du codage avec le cul. La plaque en fer forgé. Je sais pas si je peux la... Si je l'ai, je crois que je l'ai. Tac, 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 tac. Ça, on vend. On va se débarrasser de ça. Allez, à boule les sous-sous, à boule les sous-sous.